Togo Info, le Togo à votre portée. Toute la cérémonie d'hommage officiel à notre frère et ami, le ministre Pabré, a reflété sa propre personnalité. C'était un homme qui aimait travailler de façon professionnelle, dans la qualité et l'humilité. Aujourd'hui, la cérémonie s'est déroulée dans une paix impressionnante, avec beaucoup de calme et d'ordre. Et cela reflète, comme je l'ai dit, la personnalité même de Pabré, qui était un homme de devoir, un homme discipliné, un homme qui aimait toujours son travail. Il vivait, comme on l'a dit, au milieu de ses bagages, prêt à partir pour servir. Je crois que c'est un exemple qu'il nous a offert, que nous-mêmes nous reconnaissons, parce que nous avons fait très longtemps avec lui. Et c'est un exemple pour vous, les jeunes, pour que vous puissiez faire votre travail avec beaucoup d'engagement et l'amour de la patrie. J'ai connu le ministre Pabré très tôt. Si je vais ajouter quelque chose, c'est dire tout le plaisir que tous ceux qui l'ont connu avaient à rester avec lui, car quelles que soient les situations, quelles que soient les tensions, avec l'humour qui lui est caractéristique, il arrivait toujours à dérider les visages. Je crois que ceci est très important dans les conditions de travail que nous connaissions, qu'il y ait toujours quelqu'un qui met de l'ambiance, qui met de la bonne ambiance et qui déride les visages. Je voudrais tout d'abord dire qu'il est toujours bien que pour ses enfants valeureux qui quittent la nation leur rende hommage. Je voudrais donc au prime abord remercier le gouvernement, exprimer les remerciements au président de la République pour l'hommage de ce jour à M. Pabré Sili et saluer aussi la présence du Premier ministre et de tous ces hommes et de toutes ces femmes qui sont venues témoigner au ministre Pabré Sili leur hommage. Vous savez bien que M. Sili Pabré reste indissociable au protocole togolais et au cérémonial. Il fut un homme de paix, un homme affable, d'humour, disponible. Il était un homme aimant bien son travail. En tant qu'un ami personnel, c'est avec regret que je me trouve obligé de dire adieu à cet homme qui n'était plus un ami mais un frère. Il est parti trop tôt, trop vite, mais le monde va ainsi.